de toutes les façons, Poutine y a qu'à faux, qu'on allait dire à la haie, allait dire à quelques demandes sur la souille, qu'on nous luttait, qu'on nous m'a gagné une guerre là, que ça sera la fin de la Russie. Ça sera la fin de la Russie. Donc, Poutine n'a jamais qu'à servir de gagner et dépendre de la guerre là. Donc, qu'on a beaucoup de foyers, à côté, à côté, à côté. Il y a un tableau de Jean-Frey, un dado, ni un mec qui a été là, un femme ou un plat baké. Nos femmes ont fait des plats très 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 importants. Moi passé, ou Boraka a bilan dit. Ni n'a pas fait bilan a dit moi passé. Et ou n'a pas fait 889 motos pour le seul mois d'avril. C'est-à-dire, mois d'avril, Dorona, on a fait 889 motos. Donc, on a fait Boraka bilan dit. Vraiment, ma kè bashi, na y bashi mi djè. Donc, a yre be Boraka Poutine na discours la mais a yé si ça. De quelle voix Poutine se chauffe. En même temps, ni fè yon kèro la, a ka sécurité, c'était de top niveau secret. Il était gardé aux dents. A yab dougou, a kèfè dougou drone invité. A mamo bre invité. Alors, yre, il était bien sécurisé. C'est là, me kouz, il en parabal. A yre be la kafo, ko sécurité n'est rien, n'a samisé avec. Donc, Poutine a yre kafo, ko n'y guéri. Ko aleka jamana ka servi ko de dépanné bala. Donc amola Hermina, Amérique qui ferait kumana. Le général Mark Milley, noé Amérique général Bay, chef du conseil de commandement et de contrôle de US Air Force, a déclaré que l'ordre mondial existant s'effondrera si Ukraine les alès qui tombent. Donc, on a une ironie analysée. Parce que nous avons un climat de la tournée de la tournée. Poutine, go! Quand on a gagné la guerre, quand on a gagné la guerre, l'Empire, le Royaume-Uni, l'URSS, tous ces années de civilisation, tous ces bombes nucléaires, tout ce que je viens de vous dire, Poutine, il y a un faux à Dalabi, il y a un au Kloula, il y a un au Niela. Koulou m'a gagné. Koulouka Djamara. Ça dit, la troisième guerre mondiale est déclenchée à Ben Alan Akrati. Youssouf Lamine, la troisième guerre mondiale. Ça dit, frité analysé, non. Ça dit, troisième guerre mondiale, c'est qu'à Tchamanigan, quoi. Il faut bien. Eh, Allah Khan Kounadja. Eh, subhanallah, Allah Khan Kounadja. Allah Khan Kounadja, Afoku Amina. Ça dit, Poutine ko kululuma gagne guerre là kuluka jamana ko ka bana ko ça sera la fin de l'existence de la Russie o ambola Hermina Amérique fena kazenali o fena kumana général Mark Milley chef de conseil de commandement et de contrôle de United States of America Air Force masami kreme ki momi kreme ki joni Amérique ka ça fait colonie o luka ça fait kelawi momi conseil di Amérique bema en temps de la guerre afleni. Allez faire comme ça. Allez, mon enfant, ne parle pas de ça. Aïe, Kato, que l'ordre mondial existant s'effondrera si l'Ukraine des Zelensky tombe. Quoi, c'est-à-dire, l'oubête, belle-même, mon cas, nous avons fait un dieu très haut, qui a changé. Femme, toi, la bi, nous avons fait un dieu mara. Femme, nous avons fait un son femme là. Parce que Dieu est un Dieu qui a bien, qui a bien fallu gris. Mais ça m'a dit, Allah, qu'on ni l'Ukraine m'a gagné guérina, ni Oulou m'a gagné guérina, ce qui est leur guerre en un mot. Qu'on Oulou m'a gagné guérina, que l'existence de l'ordre mondial qui est présent va s'effondrer et ça tombera. Donc en un mot, les Européens aussi disent que si ils ne gagnent pas cette guerre, ça sera la fin de l'Europe. Et là. En même temps, en mettant commis, en mettant jamais une bombe nucléaire en boulot. Voilà des nucléaires puissances, ou bien des nucléaires puissances, qui sont en train de gérer sur l'existence de leur pouvoir. Donc, comment ça va devenir? Avec un tout de main. Avec un tout de main. Donc c'est ce qu'on doit savoir, ce qui est dans les enjeux ici. Miller n'a tout simplement pas
mentionner que la soute de l'Ukraine de Zelensky serait la suite de l'ordre mondial américain. Amadou Oumade, à claquer Kanto, qu'on ait Ukraine guerre, qu'on ait Ukraine magagna là, qu'on l'Amérique, ça sera la fin de la puissance des hégémonies des États-Unis. C'est ce que Miller a dit. C'est ce que Miller a dit. Donc l'air grave. L'air grave. Donc au fond, c'est ça. Ça, c'était des messages qui viennent dans la bouche de tous les pays européens, soi-disant, autant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Milleriens, il faut qu'on ait. Bi, Francis Douna, à quel commençon? Qu'il faut bi, Francis Douna, à quel commençon? Francis, mon effort. What can be done about it when we arrive in Central Africa? Donc, Francis, mon effort. Francis Douna, commençon, en Andadoula. À l'heure des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Francis Douna, comme son Francis Tara, faut à quel congrès qu'on a là. Quand il donne aussi ça, comment Oubina, Alanakira, Oubina d'Afrique qui tourne, Oubina c'est qu'à Ukraine, qu'elle est qui tourne, qu'elle est même qu'il n'a pas qu'il s'est jamais gagné guerre là, avec les écritures, Alanakira, ça vaut le coup vraiment de cotiser. Je fais, amen. Mardi, à l'Assemblée nationale, le texte cible notamment les exactions contre la population civile en Ukraine, mais aussi en Syrie, en Centrafrique et au Mali. On va s'arrêter sur la situation au Mali, dans le Sahel plus globalement avec vous, Wassim Nasr. Bonjour Wassim. Bonjour. Le groupe Wagner est souvent accusé de massacre de civils au Mali. Ça a été le cas par exemple à Moura. Oui, effectivement, et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ramène aussi sur les exactions commises par des organisations similaires qui n'étaient pas estampillées encore Wagner, mais en Syrie. Donc ce sont les mêmes modes opératoires, les mêmes façons de faire, parfois les mêmes personnes qui ont agi en Syrie et continuent d'agir ailleurs. Pour le Mali en particulier, effectivement, vous faites bien de rappeler Moura, on en a parlé ici. Moura, on en a parlé parce que le chiffre était exorbitant. On a dépassé les 300 morts. Et il y a eu des enquêtes, en tout cas, de la part, on a enquêté, l'ONU a enquêté, des organisations humanitaires ont enquêté, et tous sont arrivés à la conclusion que oui, effectivement, c'est une opération conjointe entre les FAMA et Wagner qui sont responsables de ces exactions. Mais avant cela, on a une carte sur laquelle on peut voir les massacres les plus importants. Donc, voilà la France. Voilà la France maintenant, après que l'Amérique, général Boeing, autant y'a qu'à Soudanie d'amener. Mais si la France veut venir au Mali, ou si l'OTAN veut venir s'attaquer au Mali, ils n'ont qu'à venir. Mais une chose est sûre, il faut qu'ils sachent que ils seront obligés d'assassiner tous les Maliens. Nous, on ne va jamais donner notre pays aux Blancs. Nous, on ne sera jamais, et je dis bien jamais, vous pouvez parler de vos putains de lois comme vous voulez, vos putains de mensonges. Vous avez l'audace de parler de combien de morts ça a été fait au Mali. Regarde-moi cette espèce de race. Vous avez colonisé les Maliens. Vous avez vendu les Maliens. Vous avez tué les Maliens. Vous avez créé la guerre chez nous. C'est vous qui êtes notre Wagner. Nous, on ne connaît pas Wagner. C'est la France qui doit être éliminée. Parce que c'est eux qui ont éliminé, qui sont en train d'assassiner les Maliens. Nous, on ne connaît pas Wagner. Mais on connaît la France comme un pays terroriste. Donc, le ballon de la Mabarou, qu'est-ce qui se passe? Voilà la France qui est désespérée. Parce que le Mali n'est pas leur zouzou. Et le temps n'est pas dans leur côté. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La constitution malienne est en train d'être changée. Bientôt, il y aura l'élection au Mali, dont le président sera voté par les Maliens, mais pas par la France. Donc, l'air est grave. C'est des démons. Il veut contrôler l'air, mais il ne peut pas contrôler l'air. Parce que Allah a fait un yéna. Comme ma citade Ali Sanksa Akemedji Diakono, n'allez à la Borala. Allah ya fo on yana. Ma tado moumeke Erflanana. Na Borale Alala. Allah ya fo on yana. Comme ma te Diakono moumeke si na Borale Alala. Donc, on dit Allah est en dignité française. Mais qu'est-ce que ces démons veulent faire?
ils sont en train de calculer le temps. Donc maintenant, il faut maintenant rendre Wagner comme quelque chose de terroriste. Et pour vraiment aller créer des pacailles au Mali, pour prendre le Mali comme ils nous ont fait il y a 600 ans de cela. Voilà tous leurs objectifs. Mes chers compatriotes, Akraïna Francis Moufou, Francisco, le Sahel, c'est l'avenir qu'il s'agit. C'est l'avenir de nos enfants qu'il s'agit. C'est notre survie qu'il s'agit. On ne peut pas perdre le Sahel. C'est notre survie qu'il s'agit. À la mairie. Francisco, qu'au Sahel, Mali Sahel, Kouluka dirait-il de baser même Mali Sahel. Francisco, Koulou Deu, Oulou Kouloma Samaou, Oulou Foufafou, Kosriyaski Foy tout le boulot du Sahel. Francisco, qu'au Sahel, Koulou Seka a perdu mon aussi, Diakou. Francisco, Koulou Bessa préféré, Yanni Malika Menoula. Mali, on est pas en assistant. Abe Moune préféré pour que Malika Namina en. Bon, Aya et 600, ni Boraka ni Belame Akimala, Mamou Kabaka Diamana fait, et Anna Kretche, ou Bikulane Diamana Koulani Erina. Ni Boraka ni Namé 600, Mamou Kabaka Diamana fait, et Anna Kretche, ou bien Madame Mangouli Diamana Koulani Erina. Et Alate, Mamou Kabaka Diamana fait, ou bien Madame Kamboa Dani Erina Diamana Koulala. Donc, il faut que Malé Onga Donga Fo, qu'on me guérit là, et on me guérit là, c'est très 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 sérieux. Ce n'est rien de s'amuser avec. L'ennemi du Mali, c'est la France. Et la France est supportée par les États-Unis. C'est le racisme. La richesse que le Mali possède, c'est pour eux dans leur tête. C'est pour eux dans leur âme. Ça les appartient. Et s'il faut de nous tirer, nous tous, ça, c'est sur la table. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Chaque fois, tu crois qu'ils vont nous laisser. Ils reviennent encore. Parce que c'est des démons. C'est la seule manière qu'ils ont eu le monde. Et frafin deum, aïe, ou le gabos, non, voilà ça. Et ni, alana, kratia, malien, deum, j'en ai tué, ramane, boraka, mon fos, suina. Kebe, klaki, dano, kebe, maliti, kambi, dakmo. Et ni, alana, kratia, j'en ai tué, yere, matouni, kebe, boka, malamana, kamfonga, diamana, konala. Hein? Et ni, alana, kratia, donc ce qu'il faut qu'il y ait malien de yere yere, qu'il y ait quelqu'un qui gouvernement fait que mangana ouli djamana konana ni erina. La France veut envahir le Mali. L'Europe veut envahir le Mali. OTAN veut envahir le Mali. Donc cette fois-ci, il dit que Wagner c'est le terroriste. Premier terroriste là est disparu. Maintenant il faut créer un autre terroriste. Terroriste follow au tourna, au crack gasmaï, au tourna, au boula, pousse. Donc c'est ça. Faut que terroriste croit créer Diakono. Il y avait Bengladen. Bengladen est parti. Donc c'est moi. Ça, ça n'existe plus dans leurs idées. L'Azawad, ça, ce ne sont pas des terroristes. Les terroristes à moto là, ça, on a eu une solution. Cette fois-ci, il faut que Wagner devienne des terroristes. Et quand Wagner devient des terroristes, comme ils sont forts, d'après leur analyse, et ils ont des avions, d'après leur analyse. Donc maintenant, il faut amener des avions. Il faut amener des chars. Il faut venir bombarder. Parce qu'il y a des terroristes au Mali. Il y a des terroristes en Centrafrique. Donc, il veut classifier Wagner comme des terroristes. Mais Wagner n'est pas au Mali. C'est la France qui est au Mali. Notre Wagner, c'est la France. Donc, si l'ONU veut faire quelque chose là, il faut aller vous attaquer à la France. Les terroristes du Mali, c'est la France. Ça a été toujours la France. L'ennemi du Mali, c'est la France. La France, c'est la malheur que les Maliens n'ont jamais connu dans leur vie. Et notre pays ne sera jamais un pays soumis. Ne sera jamais un pays soumis. Les 22 millions, 23 millions de Maliens sont prêts pour mourir. Mais les Blancs ne vont jamais avoir le Mali. Le Mali n'est pas Soudan. Le Mali n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Mali n'est pas Sénégal. Le Mali n'est pas quoi que vous pensez. Notre pays, on ne va jamais donner notre pays. Vous n'allez jamais avoir le Mali.
jamais de la vie, on va s'entretenir entre nous. Que cela soit très clair. On ne va jamais vous donner notre pays. Vous n'êtes pas Dieu et vous ne serez pas Dieu. Nous, on n'a pas peur de vous. On vous n'aura jamais peur de vous. Vous êtes des gens qui ne peuvent même pas aller se laver à la toilette. Donc, on n'a pas peur de vous. Vous êtes des gens qui puent. On n'a pas peur de vous. Vous n'êtes rien. Vous n'avez, vous êtes équivalent de rien. De nil. Que cela soit très clair. Et ça, c'est la vérité. C'est les malneux maliens qui a fait que vous pensez même que vous allez avoir notre pays. Mais nous devons assimiler. Moi, au dingo, nous sommes en singulier. Allez, les nanas, comme diamant a changé. Ni à Europe, comme nous, nous diamant a couru. Alsa, Abu Konoko, Alsa, qu'on ne couvre. Les blancs ne sont pas là pour s'amuser. Où te couvre là? C'est leur survie qu'il s'agit. Je continue. L'air est grave. Mais avant cela, on a une carte sur laquelle on peut voir les massacres les plus importants. Là, ce qu'on voit ici, ce sont les zones de déploiement de Wagner. Vous voyez bien, Gossi, Ombori, Sévaré, et tous les points en orange sont les zones où ils ont opéré, donc à partir des bases en rouge. Ceci dit, on voit bien les batailles sur lesquelles j'ai mis des dates, ce sont des batailles entre groupes djihadistes, donc entre État islamique et Al-Qaïda. On voit c'est aux côtés des bases où sont présents les mercenaires de Wagner, sans que cela ne puisse agir sur ces groupes djihadistes. On voit aussi l'attaque de Sévaré, il y a quelques semaines, qui a visé particulièrement Wagner, donc de la part d'Al-Qaïda, avec au moins 2 kamikazes et 15 djihadistes qui sont attaqués à l'aéroport de Sévaré, là où sont basés les Wagner. Donc ça prouve en tout cas que la présence de Wagner sur le terrain n'est pas en train d'accomplir le but annoncé et qui est de contenir les groupes djihadistes. Donc si Wagner a réussi une seule chose sur le terrain, c'est de faire des massacres. On a une autre carte qui montre les massacres les plus documentés. Voilà le massacre. Wagner, une armée parallèle qui tisse sa toile partout dans le criminel français veut vraiment dire maintenant que au Mali, on est en train de créer des génocides au Mali. Les gens qui ont passé toute leur carrière, toute leur existence à massacrer les Noirs. Les gens qui ont passé toute leur vie en suicidant nos sangs. Le reste qu'ils peuvent, qu'ils restent. Ils ne savent pas comment collaborer. Et leur seule manière, c'est des mécanismes de guerre. Maintenant, il veut créer des mensonges pour venir s'attaquer aux Maliens. Mais je vais dire à la France et je vais m'adresser à la population française. Le Mali les attend avec les bras ouverts. J'ai dit, si la France ne s'attaque pas au Mali, que Allah démolit la France avec toute puissance que Dieu a dans sa main. Il faut que les Français et les autres de l'Europe sachent que vous allez oublier le Mali. C'est simple que cela. L'air de votre posture hein, de supériorité a pris fin. Ça ne va jamais se passer. On vous attend avec la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi billahi nizi subhanallah. Parce que il n'y a même pas à analyser ces boudons. Voilà des mercenaires. Comment la France même a été créée? C'est sur le sang. Un pays barbare, d'après Nicolas Sarkozy, votre ancien président. Un pays violent, d'après Nicolas Sarkozy, votre ancien président. Votre pays qui a été bâti sur le sang. Vous avez audace de vous inquiéter de notre pays plus que nous-mêmes. Mais il faut être bête. Pourquoi le Mali vous occupe autant? Vous n'arrivez même pas à donner de retraite de votre propre population. Qu'est-ce qui peut être le plus massacré que ça? Vous avez l'audace de vous emmêler de notre pays? De qui vous vous prenez? Le Mali n'est pas la France. La France n'est pas le Mali. Mais il faut que la France sache que nous sommes prêts pour la guerre. Le monde ne va jamais être pareil. Je crois que la guerre de la Russie avec l'Ukraine doit vous apprendre que cette putain de force mentale-là, ça ne va plus exister dans ce monde. Il faut venir prendre la terre du Mali avec vous. Mais si c'est notre pays, je vous jure sur le Coran,
On vous attend avec les mains ouvertes. L'air a changé, mes chers compatriotes français. Je suis désolé de vous dire, il faut vous contacter de la scène du Sénégal. Il faut vous contacter avec la Côte d'Ivoire. Le Mali ne va jamais. Nous ne serons jamais un pays soumis. D'autant que vous essayez, d'autant de lois que vous créez. On s'emballe de quoi, de quelle idéologie? C'est vous les assassins. C'est vous les criminels. C'est vous l'ennemi du Mali. C'est vous les vrais terroristes du Mali. Et le monde est notre témoin. Car on a amené la France devant l'ONU. Et l'ONU n'a jamais ouvert l'enquête. C'est vous les terroristes du Mali. C'est vous qui nous attaquez chaque jour. Il y a 600 ans de cela. Donc, que la France aille au diable. Que Allah vous donne autant de problèmes pour que vous puissiez oublier notre patrie. À l'heure des infos pertinentes, dans tes faits, son analyse. Donc, auquel est 600? Ou bien vous n'êtes que 600? Pour vraiment vous montrer que vous te prenez là pour que vous n'ayez jamais attaqué. Je veux 400 partages, s'il vous plaît. Le show est attaqué. Aïe, show partagé. Aïe, black, ta femme, parfait. On parle de quelque chose de très sérieux. Avec un dernier, c'est sérieux, mes chers compatriotes. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Francis, vous n'êtes que 600. En Andadoula, le plus vite possible. Wagner reconnu comme groupe terroriste. Qu'est-ce que ça changera? Donc, ce qui se fait que, ou Bouraka Bilami dit c'est quoi télévision sont là. Donc, de ce fait, la France reconnaît Wagner comme un groupe terroriste. Donc, Francisco, que Wagner est terroriste de 600. Donc, on veut qu'on flâne de 600. C'est contre la Russie et c'est contre le Mali. Donc, la France veut déclencher avec l'OTAN la guerre contre le Mali. Avec un moment en anglais, open war. C'est-à-dire, follow. Ou quand on a la guerre que Mali fait tout maintenant. Donc, ils ont consulté leurs avocats. Ils ont consulté leurs consultants. Donc, ils ont dit, si tu veux vraiment mettre fin à ce Mali-là, si tu veux mettre fin à ces dirigeants-là au Mali, mais ce qu'ils oublient, c'est nous les Maliens. Parce qu'il n'y a pas Assimi sans les Maliens. Il n'y a pas Maliens sans Assimi. C'est tous les Maliens qui vont, ils vont s'attaquer avec. Donc, de ce fait, il faut dire que Wagner, c'est des terroristes. Quand tu diras que les Wagner, c'est des terroristes, donc cela va vous donner de cas légalement pour vraiment venir envahir le Mali au nom de l'OTAN. Parce qu'ils disent que dans leur loi, qu'on terrorise diafan ou train. Qu'est-ce que la France dit maintenant? L'Assemblée nationale a adopté mardi à l'unanimité une résolution demandant d'inscrire le groupe paramilitaire russe Wagner accusé d'exactions en Ukraine et en Afrique sur la liste de l'Union européenne des organisations terroristes. Et à ma mère, Kobi Francis B. L'Assemblée nationale a adopté mardi, Francis Assemblée nationale, ou Bradjelé, ils ont adopté le mardi, Noé Bié, à l'unanimité, mais si ma foko non, ou ben, ne ma foko n'yera, moi souvent on s'aligne demain. Moi, je vous ai dit ici plusieurs reprises que le blanc ne mangerait jamais un blanc. On m'a dit que je ne suis pas là, mais je suis là. Je suis là. Il y a des gens qui ont fallu. Il y a des gens qui ont fallu. Amina. Parce que nous, nous sommes en train de se faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Francis baisse son âme, quoi, assemblée qu'on a là. Que Wagner est terroriste. Que Kadaka, qui est fallu en Ukraine. Kadaka, qui est fallu en Afrique. Sur la liste de l'Union européenne des organisations de terroristes. Donc Wagner maintenant est considéré comme Al-Qaïda. Wagner maintenant est considéré comme tous les groupes, comme Boko Haram. Wagner maintenant est considéré à partir d'aujourd'hui dans les pays européens que c'est des terroristes. Donc dans leur loi,
tout ce qui est terroriste est là. On y est sera douma koka ta terroriste no fait. Ani terroriste makan koka ta makan bombardé. Ni terroriste dia fa ou fa koka ta bombardé. Maintenant avec cette résolution qu'ils ont votée, ils se donnent la permission d'attaquer le Mali parce qu'ils ont déjà dit dans la première vidéo là qu'on fallait vaincre Mali là que terroriste koko Wagner ya beke. Donc maintenant à partir d'aujourd'hui dans la loi des Européens, Wagner est terroriste. Donc qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons. Mais ce qui oublie, le Mali les a dit qu'il ne peut pas voyager si c'est notre base aérienne. Donc ce qui fait qu'on peut les bombarder. Mais voilà ce qui fait peur. Ils n'ont pas à voyager. Parce qu'ils sont déjà au Mali. Où m'ont-ils qu'à voyager? Où est Mali qu'on n'a pas? Où m'ont-ils qu'à voyager? Où Babijan n'a pas? Où m'auront-ils qu'à voyager? Ou bien Niger? Où m'auront-ils qu'à voyager? Ou bien Douina et Sénégal? Où m'auront-ils qu'à voyager? Ou bien Burki, ou bien la Guinée? Bon, aïe, ici, ça, en massacre, où il y a un tenu trop bien. Comme Roko qui cobe donabé, comme Roko donabé, comme qui cobe donaté. Vous avez vu comment les nègres ont vendu l'Afrique en laissant les forces étrangères venir occuper notre pays? Donc, il y a l'aménagement au Mali. Et l'aménagement, c'est l'OTAN. Donc, aujourd'hui, l'OTAN vient de voter que la Wagner, c'est des terroristes. Et dans leur loi, là où le terroriste se trouve, ils vont venir le chercher. Donc, cette fois-ci, l'aménagement peut se battre au Mali maintenant. Soi-disant, il se bat avec Wagner. Ils vont déstabiliser notre pays à tout coup. Pour piller nos richesses. Les femmes. Donc, vous faites que vous avez dit avec tout coup, vous avez dit que c'est ce qui est basé là-dessus. Donc, français, nous le faisons. L'Assemblée nationale s'est prononcée ce mardi sur un texte demandant l'inscription du groupe paramilitaire russe Wagner accusé d'exactions en Ukraine et en Afrique. C'est la liste de l'Union européenne des organisations terroristes. La proposition de résolution porte par le député Renaissance Benjamin Haddad cible notamment les nombreuses exactions contre la population civile en Ukraine commises par ces mercenaires dont certaines pourraient être qualifiées de crimes de guerre. Donc de ce fait encore, pour Falim Feneke Ukraine, que donc on peut qualifier comme crime de guerre ou quand tu aimes il faut auto au Renaissance Benjamin. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc ben faut faire quoi ici là avec gagner une guerre Ukraine que ce n'est pas la Russie. Donc en un mot ou ben la boca dégré proclamer que Ukraine a gagné la guerre, que la Russie a perdu la guerre. Parce que ben faut qu'on y a fallu faire que la Ukraine quoi ici là m'a fouiller quoi c'est les terroristes qui ont fait ça en Ukraine, c'est pas les Russes. Donc, ce qui fait qu'ils vont proclamer la victoire devant le monde. Et ça sera justifié. Parce que l'ONU les appartient. Eh, Ntigala. Eh, Farafindio. Eh, Alanakira. Eh, Alanakira. Eh, Nietomouda Onyokoro. Eh, Nenazrani. Eh, mais Allah. Eh, Allah Bekodon ça. Eh, Allah Bekodon. Eh, Allah Besekoumala. Eh, Allah Koumala Nazara Kansa. Nenazrani. Dolontela. Mofala. Bingalikela. On est zoom. Ni nazaro ka baradi. Donc, ou bien galon tige. Ka foko Poutine kele fe ke ka fe occupé et Ukraine ko ama occupé ko c'était des crimes de guerre. Parce que c'est les terroristes qui ont envahi Ukraine, pas la Russie. Donc ce qui fait que il y a pas eu de victoire russe. Au retour en Afrique, ils vont venir attaquer l'Afrique parce que sur leur loi, si ça vient de nous les nègres, ils vont venir chez nous. Et ils vont venir occuper notre pays, soi-disant qu'ils sont là pour battre les terroristes. Qui est les terroristes? C'est Wagner. Et Wagner, c'est en Centrafrique. Et Wagner est au Mali. Quelle coïncidence! Et Wagner est en Burkina. Quelle coïncidence! Les zones des trois frontières. Là où il y a toutes les richesses. Quelle coïncidence! Là où la France même a dit devant leur assemblée nationale
qui ne peut pas quitter le Sahel. Quelle coïncidence dont leur président a dit qu'ils sont en Afrique pour défendre leurs intérêts. Avec tout le respect. Moi, de ce fait, il faut prendre tes décisions. Moi, le temps est l'ami de personne. Il n'y a qu'à conseiller qu'à dire. Mais qu'il y a un dire. Oui, mais on te guère n'y a fini. Mais comment qu'il y a un fini? Le temps est l'ami de personne. Entre la stratégie, il faut qu'il y ait une nuit. On doit être souverain de bon. Peut-être qu'il y aurait le bon tout. Mais tant qu'il y a un temps perdu nuit, on ne va jamais gagner la guerre avec eux en jouant avec le temps avec eux. On ne va jamais. Jamais de la vie. On doit prendre nos décisions et on doit bouger. Donc il va la constitution changer au mec à faire un alhamdoulilah à la war bo à bo ni vous voyez que gaba couru les malikono voir que gaba couru en antaribo à la tomouka koube bouanga dirait que là à ce niveau là c'est très très important c'est nos ennemis ou t'en fais bi ou t'en fais chini ou tu n'as qu'à faire bi ou t'es qu'à faire chini donc il faut qu'on se débarrasse de tout leur quotidien de toutes leurs relations c'est nos purs ennemis et à la malion aya me bide. Et bien, les politiciens ne sont pas tous français. Bon, il y a une collègue qui vient de calculer, ça devient très très personnel. Et bien, il y a que les ennemis de Mali, c'est les Maliens même. Quelle coïncidence! Francis Borakanifobi, Tapo se trouve en France, tonton Tapo, tonton Batiri se trouve en France. Tous leurs clés partenaires maliens se trouvent où? En France. Quelle coïncidence. À Bebora. Ou Bebolé, ou dispersé. Ou Borani, une degré bi. Ou Wachara Boulon, on a là. Donc, mais faut que nous fassions Aouniana. Ou bien faire que Mali attaque de tout coup. Mais on s'en était. On s'en était. Moi, je crois à notre armée. Et ne pas donner un ami au moins sans se parler en commun. Mais France était Moundon. Nous, le Mali attaqué. Il doit être prêt que c'est toute l'Afrique qu'ils ont attaqué. C'est toute l'Afrique. Parce que Wallahi Billahi, Frafin Demedien font enfin. Abbé Francis Kelaoudoula, Wallahi Billahi, les yeux. Le jeu a changé. Nous ne sommes pas vos esclaves. Nous ne sommes pas vos amis. Nous ne sommes pas vos partenaires. On ne veut pas être partenaire avec la France. C'est simple que cela. Le Malien ne veut rien avoir avec la France. C'est simple que cela. Et ça va rester comme ça. Et cela ne va jamais penser et changer. Quand tu demandes le Malien de 2 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pense de la France? C'est la même chose que tous les Maliens vont dire. Nous sommes déjà morts. On sera comment? Nous, on est prêts. On s'allait nous, on était bien fait, oui. Mais Alta Omara, Wallahi Billahi. Alta Omara, donc, voilà ce qui vient de se passer, mes chers compatriotes. Donc, le rôle de Wagner dans la guerre en Ukraine est de plus en plus mis en lumière ce mardi. Une nouvelle résolution appelle à classer comme terroriste ce groupe mercenaire russe accusé de crimes en Ukraine comme en Afrique. Porte par député Renaissance Paris, Benjamin Hadi, elle vise à inscrire cette entité sur la liste de l'Union européenne des organisations terroristes, notamment par de nombreuses exactions contre la population civile en Ukraine. Quelle est? Mais qu'est-ce que cela change d'être classé comme une organisation terroriste? Quelles conséquences cela pourrait-il entraîner? 20 minutes, fait le point pour vous avec des députés d'origine de ce projet. Benjamin Haddad et la professeure des universités en études russes et soviétiques à l'université René de Sicile Vassy. Pourquoi qualifier Wagner ce groupe terroriste?
Il y a deux objectifs à cette révolution. Affirmer le député Benjamin Hadal, l'origine de cette derrière d'abord. Un objectif symbolique et politique qui consiste à nommer les choses. Que donc, de fait que Oubafoko Wagner est terroriste, qu'on s'est basé sur deux choses. Car d'abord, l'endo, fait flakama. Je veux 500 partages, s'il vous plaît. Aïsso partagé. Nasio a attaqué l'endo. Aïa partagé, s'il vous plaît. À baser nos fins flacs. C'est un groupe terroriste qui massacre, désinforme et fait de la France son ennemi numéro un en Afrique. Donc, Koumina, ou Wagner Djaté, il n'a pas qu'au terroriste ou qu'au terroriste ou parce que, qu'au bout de barre de fossier, comme on fera, qu'à communication que l'on dit, en même temps, ou un français qui est du flot, Afrique Djamana Konan. Donc, il y a tout est basé sur notre pays, à Bédabolé d'Afrique de Kama, précisément le Mali et Burkina Faso et Centrafrique. Donc, Malien Dion, à Tissavali, ça habite à quoi, à Tissavali? À me faire quoi, Djamana Kaké Soudané? À me faire bombe de Kachako, Djamana Kono? Ni bombe de Kachako, Djamana Kono, ni Warba Aubulo, à me faire du Ménéaouye. Vous serez obligé de venir en aventure comme nous, à vous aussi, Mouro Djamana Kono, à Djamana Beké Zirigné. Taré, taré, et ala, ori kada ouye. Ori nige ba ou la djamana kouna la. Donc, Francisco, ko parce que ko Wagner kirme koulou ni Srika daouka faran Afriki, ko donc de ce fait, ou le Wagner ke terroussier, parce que avec la Francisco intérêt, avec ko menace Afrique kouna la. Ou follow. L'autre objectif consiste à renforcer considérablement les moyens financiers, judiciaires et juridiques afin de lutter contre ce groupe et son influence. Donc, deuxième objectif, il y a un Wagner est terroriste pour que Dieu n'a pas de problème. On a Dieu influencé par Takadouma Tromina. On a Dieu m'a fait un Tromina. On a Dieu Jésus m'a fait un Tromina. Pour que vous sachiez que l'Afrique est Tromina. Il faut qu'on ait un barcané Tromina Mali Konala. Il faut qu'on ait un amnistie Tromina Mali Konala. Donc, en déclarant que Wagner était un terroriste, ça va lui donner les côtés judiciaires, les côtés juridiques. Et le côté influence, et le côté économique et financière pour venir envahir le Mali légalement. Comme ils ont fait en Irak, comme ils ont fait en Libye. Mes chers compatriotes, ni les nouvelles Amekoumala Hermina, ni les tiens Malikono. Mais moi je crois à Allah et je crois aux Maliens. Nous sommes prêts pour se battre pour notre patrie. On ne va jamais reculer. On ne va jamais reculer. Que ce soit la France est nucléaire ou pas, nous sommes prêts à se battre jusqu'à notre dernier sang pour protéger notre pays. On ne va jamais être soumis. On ne va jamais laisser notre pays dans la main des Français. Après d'avoir dit que le Sahel, c'est leur avenir. Non, le Sahel, c'est l'avenir des Maliens. Ce n'est pas l'avenir de la France. La France ne peut pas s'occuper et s'inquiéter de notre sécurité plus que nous-mêmes. On ne veut pas la France chez nous. La France, vous ne serez jamais de bienvenir. Vous pouvez amener toute l'Europe avec vous. Vous n'allez jamais, jamais, et je dis bien jamais, jamais de la vie, vous n'allez jamais avoir le Mali. On vous attend avec des bras ouverts. Le Mali a des différents genres de noirs que vous n'avez jamais rencontrés. Voilà la réalité, mes chers Français. Les Maliens savent qu'ils ne sont plus mieux que vous. C'est ça la réalité. Pour nous, vous êtes équivalent de zéro. C'est ça. C'est la vérité. Hein? Donc il faut commencer à calculer ça dans votre crâne. Vous êtes équivalent de zéro. Chez nous, les Maliens, vous ne vaut rien. Donc c'est aussi grave que vous n'allez jamais venir. On va jamais. Ça dit, il faut penser de la fin du monde avant de penser que le Mali va être soumis à vos quotas. Et ça va pas être comme vous pensez. Ça va être très chaud. Ça sera la fin de l'hégémonie de la France. Je vous jure.
il faut oublier le Mali. C'est ça que vous avez l'intérêt. Le terroriste du Mali, ça a été toujours la France. Qui peut être terroriste plus que la personne qui vous a colonisé? Qui peut terroriser quelqu'un plus que quelqu'un qui est en train de produire votre l'argent que vous mangez? Ça, c'est pas la première définition de terroriser quelqu'un. Qui peut être terrorisé et terroriste plus que la personne qui est en train d'occuper votre pays avec leurs armées? C'est vous, notre terroriste. Des inintellectuels réunis. On vous attend avec les mains ouvertes. Les Wagner se trouvent en Russie. Il faut aller te battre avec Poutine. Les Wagner, c'est les Russes. Ils ne sont pas très loin de la France. Il faut aller vous attaquer avec eux. Des Perus qui font la guerre avec des vocabulaires. Quelle était la guerre que la France a gagnée dans leur création? Vous n'avez jamais gagné de guerre. Le monde s'est bâti pour vous. Vous croyez que le Mali a peur de vous? C'est nous qui vous avons libérés. On va prendre cette putain de liberté que vous êtes en train de menacer le monde avec. Il faut laisser mon pays. Et nous ne sommes pas là à s'amuser avec vous. Vous allez laisser mon pays en paix. Wallahi billahi sunatallahi. On vous attend avec des mains ouvertes. Et donc, de ce fait, énumère des députés. Cette résolution s'inscrit dans un cadre de textes précis au niveau de l'Union européenne. Souligne Cécile Vessel qu'il ajoute qu'elle se base sur des faits. Tout ce que tu es dit dans le projet de résolution sur les violences de Wagner et la terreur exercée en ce qui concerne l'Ukraine, la Syrie et absolument en Afrique. Non, il faut enlever l'Afrique dedans. Vous pouvez aller vous battre avec les Arabes. Il faut enlever le monde de l'Afrique dedans. En tout cas, il faut oublier le Mali. Parce que notre terreur a été toujours la France. L'un des terreurs que le Mali fait, c'est le CFA. C'est qu'on va cesser de manger, Inch'Allah, à la place de Assimi Goïta. Ce CFA, j'allais brûler dès ce soir. Wallahi billahi lazi. Parce que Dougou Flatilara, qu'on fait? Et quelqu'un qui essaie de menacer votre pays comme ça, j'attends l'État malien et leur réponse. Je crois que ça ne sera pas de discours cette fois-ci. J'attends notre pays, j'attends notre État cette fois-ci. Je ne penserai pas que ce sera de beaux discours. Parce que l'ère des discours a pris fin. D'après ce que la France a dit dans leur télé et ce que la France réclame chez nous, pour envoyer notre pays, je crois qu'il est temps que Assimi et son régime décident quelque chose de concret. Les mercenaires de Wagner ne respectent absolument pas les règles de la guerre, dont, effectivement, ça se rapproche d'une organisation terroriste. Analyse de la professeure des universités et études russes et soviétiques à l'université René, grâce à cette résolution conseillé par des députés de différents groupes sommets. Encore, les Verts, on pourrait imaginer un nouveau régime de sanctions au visé tout l'écosystème qui permet de l'organisation d'opérer, expliqué Benjamin Had, président du groupe L'Amitié France-Ukraine. Donc, mes chers compatriotes, voilà des réalités qui se passent devant nos yeux. Ce que l'Européen passe du Mali pour venir vraiment envahir notre beau pays, le Mali. Nous devons avoir une Europe qui ait les outils et les instruments pour protéger ses valeurs et ses intérêts, souligné Benjamin, instant sur l'importance de la souveraineté européenne, alors que l'influence de la Nubelise Wagner ne cesse de grandir sur le continent africain. La résolution permettrait donc l'envoyer un message très clair aux dirigeants qui font appel à cette organisation paramilitaire, estime Cécile Vazine. Donc, Mali, on a beaucoup de au dernier paragraphe
aye kuma be foka ba ko donc ko bita ko bita temene ko de fait que ou bora ka foko Wagner et terroriste ko donc on gana ke kardaye Afrique président bema momunu kleme ka ici la wule kanu ko jamana ko anemu momunu kleme ka Wagner bla ko jamana ko nana nemu ri fo awnyana mo srante sa ya sa mo on s'amuse pas avec le temps nemu fo awnyana ya mo mo mali kanga bo sema sesema la nemu fo awnyana ya mo mali te bosu kela ka jimi ni ba ambro bosu kela ka boro ni ba ambro kama ntasa Malion, Assimi Goïta, son excellence. Fangabo Tassaril, là, en a quelqu'un qui est conclé. N'a pas encore quelqu'un qui est conclé, mais comme nous le Assimi, Francisca, compagnie Fébé Malikono, a bégué le bon Malikono, à la Nakarakam. Assimi, Malien Fufete, Malien Fébé Kafokabi, Sémine. Assimi, il faut les mettre à leur place, s'il vous plaît. Assimi Goïta, ni Klein, à Kabouni, et avec tout le respect, à Kadjani, et avec tout le respect, ni Klein, Malien Dembeka Kledi. Tu n'as pas être un chef de guerre quand donc vous mettez quelqu'un dans la combat là. On est en train de négocier avec l'ennemi. On ne peut pas. L'air n'est pas à notre côté. Le temps ne peut pas. On ne peut pas procrastiner avec ce genre de personnes. Abe Bossizan, quand tu as discours barokalan, ça ne vaut rien. Ça ne vaut pas la peine. Abe Francisca, fais vraiment dans la combat. Ou que Gassichon vient à bonheur dans la combat. Francisca, fais bien attention à ce qu'on a bébé. Ne ne créez Assimi Goïta dès demain. Ne me bonin degré. Ka aménissement gère bonheur dans la combat là. Francis, ou quoi? Comment il fait même Mali Kono? Ne me bonin bébé. Et il doit faire la même chose. Ni réhéréa. Ok, mais abeille monéco. Abeille fait monéca. Qu'est-ce que vous voulez que ça se passe? Abeille fait aller regarder dire à quoi on fait. La manin créé que donc ça sera très tard Assimi. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Il est temps que on se débarrasse de ces gens. Nous sommes satanés oudi. Ali satané ka usani nui. Voilà ce que la France vient de dire. On peut analyser ça comme avertissement aux pays africains qui exploitent Wagner. Certains gouvernements africains demandent aux forces françaises de partir, mais ils seront remplacés par des mercenaires de Wagner. Les Français comment qu'on irait? Donc l'Afrique appartient à la France. De fait que l'Afrique est présente, mais qu'à Foko, Francisco, vous êtes maintenant connu. Francisco, quand on sait qu'à Foko, en guerre, nous sommes des handicaps. Nous sommes des hommes qui ne sont pas à la hauteur d'après la France. Donc de ce fait, on ne peut pas prendre soin de nous-mêmes. Donc de fait que nous, on veut être autonome et il soit et look à qui là, qu'on veut remplacer. C'est-à-dire, Français, tout le monde fera fin à ce niveau de ma quoi. Mais ils ont raison. Parce que ni mon bannier là, ni mon bannier. Et quand tu vois les dictateurs maliens, que le Mali les a rendus milliardaires, ou le Mali là, quand tu as Francis, quand tu as dit Francis, télévision sur là, quand Mali croit, à la place de la France, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Un ministre de la justice malienne quitte le Mali. Part en France. Allez dénigrer le Mali sur les chaînes français. Eh Malion. Non Malikadi. Eh non Malikadi. Wallahi billahi lizi asimbe barala de. Mais ni asim manik makana me. Ni te Mali jotoué de n'taw negane. A beni soumana watala chen te Mali jotoué. A beni anna kratye. Chani mou seka jaman seka jod dengoulou ka nere dante boula kwa. Jamana fufet tira. Ou jamana douni jamana chi. Quand tu vois la négritude, l'esclavage, c'est les noirs qui attrapaient les gros noirs et pour donner aux blancs. C'est la même chose qui se passe, mais cette fois-ci en cravate. Et Assimi Bodon, vous avez appris l'histoire, vous êtes un homme de guerre. Et Bodon, donc on veut qu'il y ait en 2023, deux ministres de la justice malienne se trouvent actuellement en France. La France dit maintenant que quand il y a quelqu'un qui a été en Mali présentement, il y a quelqu'un qui a été en Mali et Ibema, pourquoi donc il faut qu'on l'ait replacé? Ils ne vont pas replacer la France. Mais ce que la France n'arrive pas à comprendre, nous on n'a pas besoin de replacer la France.
c'est les Maliens même qui va prendre soin de nous-mêmes. Vous croyez que nous, on ne peut pas prendre soin de nous-mêmes? Mais ce n'est pas de votre faute. C'est les Maliens incapables qui vous ont envoyé ces messages. Mais ce n'est pas grave. Donc, les terroristes expliquent la professeure à l'université René II, c'est une façon de dire, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu. Donc, en un mot, l'Afrique, le Mali sera envahi par la France avec l'OTAN. Parce que cette fois-ci, le Mali a des terroristes au Mali. Il s'appelle Wagner à partir d'aujourd'hui. Donc, Assimi Goïta Camara, il faut prendre des décisions que les Maliens ont t'a demandé. Avec Francisca, fait Mali comme un arbre de bouillie. Sefa, Abadouni Dabla. Il faut. Mali Kono. Moi, il a comme Mali, qu'a-t-il fait? Quand même Mali contrôle, quand même fait Francisca dans le Djamana Kono. C'est les gens qu'on doit les mettre à leur place. Assimi, à tes temps, et au Kéo, Francita Antoui. Et mon Kéo, Francita Antoui. Mais ça sera plus facile. Ça sera plus facile si tu fais ça. Nous trouvons Mali Ndjougou là. Qu'Assimi a perdu. Non, Assimi n'a pas perdu. C'est le Mali qui a perdu. Mais le Mali ne va pas perdre. Mais écoute, ne malendez-le, les commentaires là. Qu'Assimi a perdu. À la témoin. Moi, je suis un Kabika Djamana. Djamana Takuda, Assimi Kelenoku. Et il est là. Qu'Dante Assimi a perdu. Non, c'est nous tous qui a perdu. Mais nous, on ne va pas perdre. Il faut que Dieu là, on t'ait perdu. Il faut que Dieu là, on t'ait perdu. Il faut que Dieu là, on t'ait perdu. À l'aide des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Ne balan me bagao. Ne Francisca Baradi. Yanni Francisca, il faut qu'on aille Amérique Makaname. Donc, Donc, l'histoire est là. Et ça dit les nouvelles bénévoles boulot trop, c'est très très pertinent. Nouvelle balle de boulot qu'à d'Auma, mais vraiment, et nous on va bénir Auma 600 avec un soudien et coup du goût. Mais de toutes les façons, je crois que vous avez tous compris les enjeux, ce qui se passe. Ambola Erimna, Israël frappe trois responsables du djihad islamique à Gaza, risquant une escalade. Donc Israël freine Moro Saba. Et Djihadi Moro Saba, yo fera Gaza, yo famu. Au fin de combien sont laquelle qu'elle baille, Israël yo fera l'imi fin de que, et Gaza qu'on a là. Donc vraiment, et il est temps que, en a gourmand gani kelenta, avec que ça dire, en a francico bon a directeur là quoi. En a francico bon a directeur là quoi. Ni malien qu'on est français fait tout ni vraiment été halala de ya ben alana kreti. Net tadon, francico m'se kakuma mi boa dabi kate menikam quoi. Ambola Erimna, et le journaliste français, Arman Soldin, qui est près de Bakhmoud. Donc, occasionnellement, il y a un Arman Samdoul, allez faire Farah et Bakhmoud qu'on a là. Donc, l'air est grave. Vraiment, mais, virus, il y a la tournée, à Kalamé, à Kalamé, France, accusation de Malika, et que la Kalamé, comme la France, qui a compris un temps à Djamana Kono. Vraiment, dans la présence, France, qui a compris un temps à Djamana Kono. Vraiment, netaro, avec la stratégie sur le mais à la tournée, on doit écouter. Et voté ce mardi à l'Assemblée nationale. Le texte cible notamment les exactions contre la population civile en Ukraine, mais aussi en Syrie, en Centrafrique et au Mali. On va s'arrêter sur la situation au Mali, dans le Sahel plus globalement avec vous, Wassim Nasr. Bonjour Wassim. Bonjour. Le groupe Wagner est souvent accusé de massacres de civils au Mali. Ça a été le cas par exemple à Moura. Oui, effectivement, et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ramène aussi sur les exactions commises par des organisations similaires qui n'étaient pas estampillées encore Wagner, mais en Syrie. Donc ce sont les mêmes modes opératoires, les mêmes façons de faire, parfois les mêmes personnes qui ont agi en Syrie et continuent d'agir ailleurs. Pour le Mali en particulier, effectivement, vous faites bien de rappeler Moura, on en a parlé ici. Moura, on en a parlé parce que le chiffre était exorbitant.
On a dépassé les 300 morts. Et il y a eu des enquêtes, en tout cas, de la part, on a enquêté, l'ONU a enquêté, des organisations humanitaires. Quand il y a eu plus de 300 morts au Mali, ça dit que Wagner est mort, mais il faudra Mali qu'on a retenu le mot Kemet Sabaye. Donc, on est enquêté, on y venait enquêté. Donc, c'est la France qui est le dieu du Mali. Oui, si quelque chose se passe chez nous, France est venu à nous, on a enquêté quand même. C'est-à-dire c'est la France qui a créé les Maliens. Alama Andané, Francis de Andan, quoi. Et ils ont enquêté. La France a enquêté chez le pays, dans notre pays. C'est-à-dire quand quelque chose se passe au Mali, là, la France arrogante, là, les gens qui ne peuvent même pas se laver leur derrière, quand ils vont à la toilette, et quand ils chient, là, ils n'ont pas leur derrière. Ils ont des calissons sales. Leur femme qui ne peut même pas se raser. La France dit que nous là, et ils sont venus chez nous, et ils ont fait investigation chez nous, il y a eu 300 personnes assassinées chez nous. Le Mali c'est pour la France? C'est la France qui doit faire l'enquête pour les Maliens? Vous allez laisser notre pays tranquille. Vous n'allez jamais avoir notre pays. Pas les Blancs. Autant de crimes que vous avez commis dans ce monde. Vous n'avez pas de leçons à donner à qui que ce soit. Des assassins réunis. Qu'est-ce que vous avez eu dans le monde avec votre effort? Dis-moi une seule chose que vous avez eu au monde avec votre effort. Une seule chose. Vous n'avez rien eu dans ce monde avec votre effort. Vous avez tué les gens. Vous avez volé les gens. On a bâti vos pays pour vous. Vous croyez que vous allez venir prendre notre pays après avoir que vous avez détruit tous vos ressources, vos valeurs. Vous venez vous imposer vos putains de malédictions chez nous. Cette fois-ci, notre terre, il faut venir. On vous attend. On va vous montrer qui vous a donné votre glorie. À part Dieu. Ya tawakkaltu Allah, nul ne connaît demain à part Dieu. Nous, on croit à Dieu. Il faut venir. On vous attend. Mes chers compatriotes, vraiment, Ninkoï, ça vaut le coup d'envoyer des messages à Assimi Goïta et notre armée. Donc, oh.